Et bonjour à tous et à toutes, ici Ice et on est parti pour une nouvelle petite vidéo. Du coup, on est le premier du mois, il est minuit et quelques. On va tourner la petite vidéo des coffres. Alors, j'ai fait pas mal de donjons, en vrai, on peut voir que j'ai essayé d'en faire plus que le mois dernier, parce que le mois dernier c'était vraiment compliqué. Vu qu'on était, ils allaient bientôt fusionner, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui avaient arrêté, qui attendaient les fusions. Donc ça a été un peu mieux. Donc on va tout récupérer, on va voir ça. Du coup, à l'avance, avant de récupérer tout, vous voyez bien, j'ai tout vidé. Je vous montre les jetons. Ça, c'est un truc que j'oublie de vous montrer à chaque fois. C'est les jetons avant, après. Donc, on est vide et on va récupérer tout ça. Alors, tout récupérer. On a quoi? On a 30... 57 coffres différents. Donc, je vais trier tout ça. Et on va toujours prendre en 2 secondes. Du coup, j'ai trié les petits coffres. On va pouvoir attaquer. Du coup, on attaque avec le coffre du donjon Chacha. Donc, petit Stasis 10. Donc, pour rappel, on va chercher les skins sur les petits donjons comme ça. Les ressources, ça vaut toujours un peu de Kama. Après, les items, ça part en éclat. Hop, je vais monter ça en l'air. Hop. Du coup, on va mettre les éclats en haut, comme ça, on voit tout de suite. On va avoir pas mal de transmus aussi, ça, c'est bien. Alors, est-ce qu'on a un petit skin? On voit les petits éclats qui montent. Bon, tout ce qui est item chacha, on va briser. Alors, donjon bouffe tout. Stasis 5. Pas de petit skin. Ensuite, petit donjon tofu. Stasis 5. Ça, c'est des donjons. On va essayer de rusher. Ce serait rien de s'attarder dessus. Donjon lard. Stasis 10. Je me souviens, on a un peu galéré quand même à le faire. Mais c'est passé quand même. Du coup, on va tout briser. Donjon abract. Labraba level. Ah, premier skin. Ça, c'est bien, ça. Petit donjon squall. Bon, je pense même au level là, on va briser. Je regarde un peu les prix. Tout ce qui est en dessous de 10 000 kamas en moyen, on va pas s'embêter. Parce qu'on va avoir énormément de choses, sinon après, on n'aura pas de place pour vendre. Donc, du joue Moulski. On a que du vert. Le donjon Croaptule. Ça, c'est le donjon Akelba, ça. Les corbacs bizarres. Qu'ils avaient rajouté après. On a que du vert. Donjon Truche. Les ressources du donjon Truche, elles sont sympas. Il y a moyen de faire des bons items. Petite amulette, je vais la garder. 20 000 kamas. Mais c'est vrai que. Mais en vrai, c'est surtout les ressources dans les donjons bas level qui va faire. Limite, c'est les ressources qui font plus de kamas que les items. On garde l'amulette, tout le reste on brise. Donjon Sleek. Petit Stasis 4. Bizarre, j'avais l'impression de leur faire en Stasis 5. Là-dedans, rien d'intéressant. Ensuite, Scarafeuille. Ensuite, Chaffeur. C'est lequel? Je crois que c'est Morbax. Oh bah. Que du vert. Pour l'instant, c'est pas ouf. Après, j'ai fait pas mal de petits coffres. Là, c'est là que ça a commencé un peu à monter. Là, à partir d'ici, ouais. Là, on attaque les donjons 125 plus. Donc c'est à partir de maintenant, entre guillemets, qu'on va pouvoir faire des kamas. Alors, donjon mecha. Le légendaire, il reste toujours cool. Après, le orange, je pense que ça se vend pas du tout. Le donjon est tellement facile à farm. Est-ce qu'on a un petit légendaire? On en a un petit. Petite ceinture, vous voyez, 30 000. Hop. Et on n'a rien d'autre. Alors, donjon tourmenté, petit Stasis 5. D'ailleurs, c'est une des vidéos qui a un peu boosté ma chaîne depuis que je l'ai faite, celle-là. C'est une des premières vidéos où je me suis dit je vais vous expliquer un donjon. Et c'est le début d'un petit concept qui vous a bien plu. On va la garder vu qu'il n'y a pas le prix moyen. Après, vu que je pense qu'il y a les prix moyens vont un peu se casser là. Vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre en vente ce soir. On va la garder quand même, on verra bien au pire on la brisera. Alors, donjon Smar. Donjon Smar, il y a moyen de faire des kamas s'il y a du légendaire. Allez, le jeu troll pas. On a un petit légendaire, deux petits légendaires. On a deux légendaires, c'est déjà ça. Ensuite, donjon flaqueux, Stasis 5. Pareil, le légendaire, ça paye bien. Je crois que j'en ai pas vu. Non, on a que du petit orange. Après, il y a certains items orange que je peux garder et up avec les ressources, vu qu'on en a énormément, pour après les revendre plus cher. Donc, je vais garder l'amulette là, elle a l'air bien. Hop, le reste, on va briser. Ensuite, donjon Pichon, petit Stasis 3. Oh, petit légendaire là.
33 000, on dit pas non. Et tout le reste, on brise. Ensuite, donjon Lénal, Stasis 3. Bah, le donjon Lénal, je l'ai fait 4 fois, je crois. 4 fois, et à chaque fois, il y avait toujours un gars qui partait au boss, qui machin. Il y avait toujours un truc. Une fois arrivé au boss, à chaque fois, il y avait un gars qui partait, on devait le retaper. J'ai pété mon crâne en donjon Lénal. Oh là, que de la merde. Ouais, il y a un bon emblème, si je dis pas de conneries, à choper en Lénal. Jardin de la Reine, c'est le Wabit normal. Dommage, les petits items ils valent quand même assez cher. On va garder les bottes. Ouais, regardez les bottes là, tout le reste ça dégage. Ensuite, donjon fanatique, bah c'est l'autre donjon chuchu du coup. Oh, petite coiffe. Petite coiffe légendaire. Le reste, on brise. Noir Sport, Stasis 4. Allez, petit légendaire. Non. Ensuite, donjon foreur. À mon avis, même du légendaire, ça vaut pas trop cher. Donjon foreur est tellement farm pour les larmes. Vous avez des Ouginia qui explosent le donjon, Stasis 8, Stasis 10. Qui font des PL pour les larmes. Vous voyez, même les items légendaires, 11 000 kama. On va quand même garder, ça part toujours, mais les prix ont bien baissé, quoi. Donjon Srambad. Allez, Srambad. Srambad, il y a des bons items en vrai. Je sais que le plastron, il vaut super cher. Je crois que c'est le plastron et la cape. Vas-y, plastron et cape légendaire. Tu peux le faire. Vous voyez, c'est le plastron là, je crois. Ouais, c'est celui-là. Mais là, on l'a pas eu. Non, là, on s'est fait troll. Après, c'est pas grave. On a des gros coffres derrière. Je préfère que ça troll sur des donjons qui peuvent rapporter un petit peu quand même. Enutrosaur, je crois pas qu'il y ait grand chose d'intéressant, même en légendaire. Non. Vous voyez ça? Les items verts à 1 million machin. Si vous vous demandez c'est quoi? Bah c'est les gens qui achètent des kamas en fait. Pour éviter de se faire baiser par un kama, ils font ça. Donc si des fois vous voyez des prix bizarres sur des items, bah c'est ça en fait. C'est les gens qui. Genre, je sais pas, au lieu d'acheter directement les kamas et faire un échange. Bah, y a un gars qui va mettre un item à, je sais pas, genre 1 million 6, là, comme on voit le prix. Et y a un gars qui va l'acheter, hop. Il va faire ça sur plusieurs items, comme ça, il récupère ses kamas. Mais je me suis posé la question, et c'est un gars qui m'a expliqué, donc c'est pour ça. Donc, si vous voyez des prix qui sont complètement cassés, mais vous attendez pas à, waouh, j'ai gagné 1 million 6. Non, non, les gars, c'est de la merde. Hop, et du coup, on va mettre de côté les deux petits items orange. Ensuite, Donjon Blob. Est-ce qu'il va arrêter de troll? Depuis le début, il a toujours troll, il va toujours donner que de la merde. Allez, Bébou. Ouais, m'a donné une ceinture orange quoi. Deux ceintures oranges, je dis pas. Je crois que c'est source du mal. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On t'en a eu du full vert. Bon, on n'a pas de chance hein, ce mois-ci pour l'instant. Sur tous les coffres qu'on a ouverts, on en a ouvert quasiment déjà une trentaine. On n'a eu qu'un seul skin. L'or, je crois que c'est Xelor présent. Je dis pas de bêtises. Allez, le jeu, patapute. Oh, le jeu fait sa pute. Donjon Roublard, petit Stasis 5. Je l'ai fait avec un Ouji. Je pensais qu'Ouji c'était pas ouf en Roublard. Bah, il a solo le boss, les frérots. Genre, en Stasis 5 avec un Panda, ils sont tous les deux collés au boss et ils ont géré le truc à deux. J'étais en mode bah ouais. Allez, là, paye. Petit item légendaire enfin. Deuxième item légendaire. On a eu quoi? On a eu une ceinture légendaire, une dague légendaire. En orange, on a des trucs qui payent ça, 26 000, 25 000. Ouais, on a eu 4 items pas dégueu. On a fait un petit 400 000 kama, sans compter les ressources bien sûr. Je venais voir, on regarde un peu les ressources. Bon, les premiers, c'est tout ce qui est ressources. Bah niveau, il n'y a pas grand chose. C'est à partir de là que ça commence à chiffrer. Oui, des 14 000. Même des ressources comme ça, genre quand vous avez un gros tas à 400 kama. Ça met bien. Pareil, ça, les os. Là, les bombes 300 kama, les morceaux, etc. Vous voyez, c'est surtout ça en vrai qui chiffre, mine de rien. Les gens regardent que les items, mais les ressources, ça chiffre bien aussi. Patapoutre, Stasis 4. Je crois que c'est les épaulettes en légendaire qui valent cher. Et même à poutrelette. Non. Regardez la petite cape. Ouais, ça pareil, le gars qui a fait ça, il s'est fait plaisir. Je me demande si c'est pas la source du mal, ça. Si, je crois. Ouh.
Petite amulette orange 160 000. Celle-là, on peut voir pour la up à la limite. Un petit plastron à 20 000 et le reste en verre ou à briser. Hop, t'en as juste les inventaires. Vous voyez, 16 000, etc. Même ça, hein. À 1200 unités, vous avez 180, ça met bien. Du coup, j'ai retrié les coffres, j'ai refait un petit vide dans l'inventaire. Ensuite, brèche de bon tas. Je l'avais fait juste vite fait, histoire de se classer. Hop, ouais, c'est que des ressources. Que des ressources et des jetons, je crois. On a quoi? 2% de chance d'obtenir une famille et des sublimations. Ok. Brèche Moon, je l'avais fait. J'ai fait un bon score avec deux gars. On l'a fait en... à 4, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4. Il m'a pas de subli que des ressources. Après, ça reste quand même des bonnes ressources. Du coup, Donjon Mougre, Stasis 5. Ah merde, du coup j'ai posé les... Ah. Du coup j'ai stacké mes éclats avec ceux que j'avais déjà, je crois. Je sais plus on était à combien. Je sais plus on était à combien les gars. Attendez, je vais regarder le rush et je remets le même nombre d'éclats. Hop, du coup on avait 4590, j'ai regardé le rush. Donc j'ai remis les 4590 là. Donc on reprend. Du coup on a rien d'intéressant. Ensuite, Donjon Crackleur, Stasis 5. Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de skins. Hein. Ensuite, Donjon Gligli, Stasis 5. On regarde vite fait. Non, il n'y a rien d'intéressant. Arachne. Je crois que c'est le donjon des araignées 80 au royaume Sadida. Il y a la toxipiquante qui vaut cher. Il y a une petite toxipiquante. Non, on n'a eu que du vert. Donjon Moine, non, là, je l'ai fait juste avant, là. À 23h30, je l'ai fait. Qu'est-ce qu'on a? Ça me paraît bizarre que ça coûte aussi cher, ça. On va le garder quand même, mais ça me paraît bizarre. Alors, le croque-miteux. Donjon Kiki. On a que du vert. Ah, mais j'ai pas vu en avoir un deuxième petit skin. Je sais pas si la pop sur le coffre d'avant. Alors, Vampiro, Stasis 3. Qu'est-ce qu'on a de beau? Le plastron vampirique en légendaire il vaut cher, mais je sais pas si on peut le dropper direct ou s'il faut l'augmenter obligatoirement. Pareil, Vampiro, ça va être surtout les ressources qui donnent toujours pas mal en vrai. Le sang, même les violines à 4000. Bilby Plage, donjon Amama Houle, donjon Mulmouth, ça c'est Yeshti Wawa Stasis 5. Pareil, je l'ai fait ce soir là. En attendant qu'il soit minuit. Rien d'intéressant et toujours pas de skin. Donjon Magique Rictus. Je crois pas qu'il y a grand chose à choper. Je crois que les items Brakmar, ils sont recherchés pour les résistances. Vous voyez, c'est ça que je lui dis, les gars qui vendent des kamas, qui achètent des kamas bizarres là. Ils niquent les prix. On va garder. Ouais, c'est ça. Je crois que les gens, ils les utilisent pour les résistances qui sont ouf. Pour faire des magmog, etc. Donc ça vaut des camas en vrai. On arrive bientôt à la fin. Donjon Chuchot. Que de la merde. Beaucoup plus de coffres que d'habitude, pourtant ça paye beaucoup moins. Donjon Vignoble. Je crois que ouais, c'est le plastron là. Si on a le plastron là en légendaire, on est bien. Attends, on l'a eu en orange, dommage. Orange, il coûte déjà 70 000. En légendaire, il vaut quand même beaucoup plus. Ensuite, Garde Wabbit. Donc, c'est le Wawabit. Petite coiffe. 220 000. En légendaire. Enfin, un truc qui paye un peu. Sinon, on n'a rien d'intéressant. Wawabit, il est grave cool à farmer, je trouve. Même, il y a des kamas à faire. C'est une seule salle, c'est rapide. Et là, on attaque que les gros coffres. Donc, ça, c'est du 200 plus. Alors, Blairox. Deux items verts. Deux items verts. Un légendaire. C'est pas le mieux. Mais bon. On va pas chipoter, on prend. Les épaulettes piquantes, je vais les garder. Ça, je vais garder. Les items verts de sang, je vais garder, je pense. Les deux là, non. Je vais garder les deux là en vert. Ils valent assez cher. Surtout, bah, vous voyez, les épaulettes en légendaire, elles coûtent super cher.
Donc si jamais j'arrive à les up ou je sais pas, je verrai bien. Ensuite, donjon Dragoev, Stasis 3. Allez, patapulte le jeu. Oh, petit légendaire. Petit anneau plat. Je crois qu'il vaut pas cher, parce que justement, vous voyez, en orange, il est à 40 000, c'est pour ça que je l'ai. D'ailleurs, me jugez pas, oui, j'ai mis un retour PA sur mon anneau plat. Alors, on a eu un petit légendaire à quasiment 400 000. Et ensuite, rien d'intéressant, si on a les petites bottes en orange. Et tout le reste, on va dégager. Je vais garder l'anneau plat dans le doute, mais je pense pas qu'il vaille aussi cher. Je voyais dans le jeu, il doit être dans les genre 20 000, même pas. Mais bon, on prend. Alors, Fléopard. Par contre, Fléopard, frérot, il y a des trucs. Hein. Si je dis pas de bêtises, il y a l'anneau qui est intéressant. Il y a pas mal de trucs, Fléopard. Même là-bas, la coiffe, hein, celle-là. Allez, du légendaire. Allez, tu peux le faire. On a eu quoi? Je crois qu'on avait que du orange. Que du orange et du vert. Ça, orange, 100 000. Ça, orange, 200 000. 40 000. Mouais. C'est pas dégueu. L'anneau là en légendaire, il vaut cher. On va faire un tri dans les trucs verts qui coûtent assez cher. Ça, ça. Le flopard, en vrai, mine de rien, il a du kama à faire là-bas. Ensuite, le Hibourg. En vrai, l'Hibourg, moi, c'est un donjon. Je pense que c'est mon donjon de sang préféré. Je kiffe le faire. Les gens, ils aiment pas, mais moi, j'aime bien. Allez, patapute. Ouh, petit item légendaire. Il a pas fait ça, pute, le jeu. Bon, il aurait pu donner au moins un ou deux petits items orange en plus, mais... Petite botte à 600 000. On dit pas non. Je regarde vite fait dans les items. Je crois qu'on va garder les trois là. Le reste, ça va partir. Je crois que c'est un donjon 215, ça, si je dis pas de bêtises. 230, même. Oui, c'est ça, c'est 230, c'est un donjon juju. Là, il y a du Kama, par contre. Je pense que c'est mon plus gros coffre. On va le garder à la fin, celui-là. Alors, boss ultime rustique. Ça va être Excar. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dedans? Pas grand-chose, on va tout dégager. Ça va être le 1040 Stasis 4. Petit plastron vampirique. Regardez juste le plastron vampirique. En vrai, il est facile à augmenter et il coûte assez cher une fois augmenté. Alors, Corbeau Noir et Magmog. Du coup, c'est les deux coffres, donc Stasis 4 les deux. Ah, on a re-eu un skin, j'ai pas fait gaffe. Est-ce qu'il y a ces vues qui me donnent le même? Je fais pas gaffe que ça remonte. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Par contre, on n'a pas eu de légendaire, alors qu'on peut avoir du légendaire avec les coffres là. Et je crois qu'on a eu que de la merde. Ouais, on n'a pas eu de chance. Serre d'acier, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouh, j'ai vu des choses là. Ouh, serre d'acier, je t'aime bien, frérot. Alors, on a les mamas poutrelettes, celles que je vous parlais tout à l'heure, dans le donjon. Patapoud, vous voyez, 300 000. 70 000. On a ça à 17 000, on va garder. On a des petites bottes à 60 000. Ressources qui sont montées, évidemment. Avec des bonnes petites ressources, avec des bons prix. Et on a quoi? 40 000, 16 000. En vrai, je crois qu'on va tout garder hein, dans ce coffre-là. Attendez, juste retrier, parce que du coup, ça déborde. On a à nouveau trop de ressources. Hop, du coup, j'ai refait un petit tri d'inventaire. Allez, on va terminer les 4 derniers coffres. Alors, phytomorphe, on a dit on fait à la fin. Attends, on va juste faire les deux petits coffres de merde là. Mort brûlée, de toute façon, il n'y a rien d'intéressant. Il est intéressant à farmer parce que vous pouvez invoquer Sirmomor. Et avec Sirmomor, il y a les éclats sur eux. Sabléoptère, en vrai, c'est un 140, il y a des bons items. Et on a un petit légendaire. Tant pis. Allez. On va faire les coffres d'Ogrest. Qu'est-ce qu'il nous a donné Ogrest? Ouh! Plastron 600 000. Petite canne 150 000. Épaulette 130 000. Anneau 30 000. Épaulette 16 000. 15 000. Épaulette, cap 180 000. Cap 86 000. Pareil, je pense qu'on va tout garder dans ce coffre-là. Et du coup, on finit en beauté avec le petit coffre 230, le phytomorphe. Allez, le jeu, c'est ton moment. Là, tu me donnes du légendaire. Ouais. C'est pas tout à fait ça. On y croit, on y croit pas? Oh non. Tant pis. Après, les ressources, viens voir.
Les ressources, par contre, ouais. Petit 40 000 x 3. Ça chiffre plus que les items. Hop, du coup, bon, les items verts, on va les briser. On installe les deux petits items, on garde. Du coup, je vais tout trier et on va faire un petit bilan. Alors, du coup, j'ai fait le tri. Alors, on voit qu'on a eu plus de 10 000 éclats en vrai. Donc, ça, c'est vraiment propre. On a eu 3 skins. Donc, ça va faire un peu de fragments de stasis. Je m'attendais à vraiment mieux. On n'a pas eu de chance. Le mois dernier, on a eu 5 skins, si j'ai pas de bêtises, 5 ou 6. Donc, c'était pas ouf. Donc, on va passer en revue. Donc, les petits items verts. Là, je vais faire un petit tri. Je verrai bien si ça se vend ou si ça vaut le coup de up les items. En orange, on a eu 36 items orange qui valaient le coup. Donc, ils sont à minimum plus de 10 000 kama. Hop, je repasse un peu. Ouais, petit plastron 70 000. Celui-là, je pense que je vais le up. Pareil, je vais regarder si ça vaut le coup de les up ou pas. Ça, je sais que le plastron empirique, ça vaut le coup de le up. Hop, 100 000, 160 000. Il y a des bons petits prix en vrai dans le tas. Ça, les petites paulettes, 140 000. En orange, je crois que c'est ça qui vaut le plus cher. En légendaire, par contre, on a eu plus de légendaires. On a eu 20 légendaires. En vrai, le coffre de Sardassi, il a mis bien. Donc ça, 150 000, 200 000, 30 000, 30 000, 50 000. Petite coiffe, 220 000. Ça, les petites épaulettes, 300 000. Pareil, petit plastron, quasiment 400 000. Ça, 500 000. 500 000, presque 600 000. 60 000. Petit plastron à 700 000, quasiment. 150 000 et 30 000. Et du coup, en ressources, c'est là qu'en vrai, mine de rien, ça chiffre aussi. Ouais, ça, les petits œufs pochés, en vrai, j'en ai 11, ça vaut 7 000. Tout ça, en vrai, c'est les items. Ça part parce que du coup, ça sert à upper les items, etc. Ouais, ça vaut 16 000, 10 000. Et en vrai, mine de rien, c'est avec ça, vous faites facile 3, 4 millions, voire plus. Voire même beaucoup plus selon certains items. Vous voyez, rien que ça, là, j'en ai 10, ça vaut 20 000, il y en a pour 200 000, quoi. Donc, vous voyez, en vrai, même les petits trucs à la con, genre, vous voyez, ça vaut 100 kama, mais j'en ai 300. Donc, faites le calcul. Ouais, ça va vite. Et pareil, là, on a plus de grosses ressources dans le coffre là. Donc, franchement, c'était pas mal. On va regarder vite fait un peu les jetons. Ouais, il y a pas mal de bons petits trucs. Et du coup, en jetons, on va de quoi se pécho quelques petites reliques. En éternel, on est monté quasiment à 600 jetons. C'est pas mal. Infernal, j'en ai qu'une trentaine, je crois. Pareil, exquis, je vais sûrement pouvoir me reprendre une aiguille pour augmenter la mienne. Vous voyez, ça que je vous dis, c'est pour ça que j'ai des gamins en fait. C'est parce que mes reliques, je les fais moi-même avec les jetons, comme ça. Je up mes items, avec les ressources que j'ai là et des boss, je vais regarder pour améliorer mon stuff, etc. Donc ce que j'ai besoin, je le vends, ce que j'ai besoin, j'utilise pour m'augmenter. Donc du coup, voilà, c'était Ice. J'espère monter à un petit 50 millions de Kama, voire plus. Je pense 15 millions, c'est pas trop demandé avec ce qu'on a là. Je sais que le mois dernier, on avait un peu moins, j'ai fait quasiment 25 millions. Donc on verra bien. Je vais voir si ça vaut le coup de hopper les items, de vendre les ressources. On verra. Du coup, c'était Ice. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, moi, j'aime bien faire les petites ouvertures de coffres avec vous. Ça me fait plaisir. Et au moins, on partage un peu notre non-chance et notre chance. Du coup, c'était Ice. Allez, à toutes.